ce que nous étions serrés sur cette plateforme d'autobus et ce que ce garçon pouvait avoir l'air bête et ridicule. Et que fait-il? Ne le voilà-t-il pas qui se met à vouloir se quereller avec un bonhomme qui, prétendait-il, ce damoiseau le bousculait? Et ensuite, il ne trouva rien de mieux à faire que d'aller vite occuper une place laissée libre, au lieu de la laisser une dame. 2 heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare. Le même gars de l'Uro, en train de se faire donner des conseils vestimentaires par un camarade. À ne pas croire.